quand même McCoy qui est toujours en train de se plaindre, bah moi je trouve quand même que la téléportation, c'est quand même pratique. Alors même si c'est un peu flippant, on gagne quand même du temps. Alors bienvenue dans la base de Laserball de Levallois. Donc aujourd'hui, présentation d'un pack exceptionnel, du pack Playmobil. Regardez-moi ce carton incroyable sur la série originale de Star Trek. Voilà, donc ça, petit coucou à ma petite femme Leila Trooper, qui me l'a offert. C'était un cadeau incroyable. Donc je suis comme un dingue. Je ne sais pas ce que je vais en faire parce qu'une fois que c'est monté, c'est énorme. Vous voulez voir comment ça se déballe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Générique. Alors on va vite fait faire un tour de boîte. Donc regardez en gros, donc USS Enterprise. Donc ça c'est une vieille série hein, des années 50-60. Dessus, nous avons quoi? AP Included, donc application inclue, Discovery Star Trek. Okay, donc il y a une application apparemment pour faire des choses. Light and Sound, 148 pièces, ce qui est quand même énorme. On a Sulu, Chekov, Scott, Uhura, McCoy, Spock et James T. Kirk. Okay. En gros, là-haut, on a Spock, okay, qui est un Vulcain. Et derrière, nous avons le capitaine Kirk qui est humain. Donc voilà, là j'ai le maillot du capitaine Kirk, d'accord. Donc pour ceux qui connaissent pas, à savoir que Uhura, ça a été l'une des premières actrices à avoir un rôle important noir dans une série américaine. Et le créateur de Star Trek a dit, ça ne se fera si ça ne se fait pas avec elle, ça ne se fera pas du tout. Voilà. Donc il y a quand même des gens sur cette planète pas trop cons. Alors, quand on le tourne, on ouvre la boîte, regardez, et on aperçoit donc une boîte de grand malade. On voit le vaisseau quand il est monté. Ils nous disent qu'il faut 3 billes, 1,5 vogue, donc des AA. Donc ce n'est pas les toutes petites, c'est les moyennes. On nous montre que on peut mettre les personnages dedans, qu'on peut le poser sur un pied. Donc ça, c'est quand même sympa. Que là-haut, on nous dit qu'il y a un port USB, donc je vais rebasculer. Excusez-moi, la boîte, elle est grosse. Hein. Donc, il y a un site StarTrek.com. Il y a des effets spéciaux, des effets lumineux. Il y a USB-C port pour un standby mode. Donc, à mon avis, on va pouvoir le brancher en USB pour pouvoir le laisser brancher tout le temps, parce que pour éviter que les piles, genre on a une pièce, on a une gaming room. Où on a un laser ball, on veut qu'il soit exposé dedans, on branche en USB et je pense qu'on doit pouvoir avoir des lumières qui s'allument tout le temps. Voilà. Après, on peut voir directement les personnages, donc Uhura, McCoy, Spock, Kirk et Sulu, Chekov et Scott. Il faut ouvrir la boîte pour pouvoir les découvrir en vrai. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages, ce qui est quand même pas mal. Une petite plaque pour donner le nom de l'Enterprise. Donc alors, je vais défaire les autocollants. Donc c'est des autocollants sérigraphiés Playmobil. Donc qui disent attention, temps d'assemblage 180 minutes. Donc 180 minutes, ça veut dire 3 heures. C'est énorme. Donc, alors. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, on a un carton qui est collé derrière, on a une notice. Donc, déjà, dans le fond de la boîte, hop, on a ça. Les figurines dans la boîte. Donc, on va commencer par ça. On va ouvrir les figurines. Donc, là-dedans, c'est des personnages qu'on voit en direct. Donc, évidemment, les autres ne sont pas dedans. Donc, là. Nous avons McCoy avec son outil de sondage, le tricorder avec Spock, le phaser avec Captain Kirk et Uhura évidemment qui a son appareil pour appeler, alors qui n'est pas vraiment comme ça dans la série, mais bon, c'est pas grave. Nous avons la doc avec toutes les étapes pour l'assembler.
Laisse tomber le truc. Donc eux, ils parlent de 180 minutes de montage, 3 heures. Donc ça me paraît un peu beaucoup. Ça dure autant de temps. Donc là, les réacteurs. Donc là, c'est le cerceau pour la fin, pour l'exposition. Donc là, on n'en a pas besoin tout de suite. Les accessoires. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a une autre partie là. Ah, il y a beaucoup de pièces, hein. Donc là, le truc principal. Un carton. Ah, est-ce que c'est vrai qu'il y a de l'électronique dedans? Il y a des fils à brancher. Donc ça, c'est un petit peu nouveau sur du Playmobil. La dernière pièce énorme. Donc ça, c'est l'embase qui va aller au sol. Donc ça, pas besoin tout de suite. Ça va être des lanières nylon pour pouvoir la suspendre au plafond. Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce que c'est clair que, vu l'engin, il y a plus de chances de l'avoir. Ça, c'est pas mal. Regardez. Regardez les petits détails. Attendez. Regardez, c'est un hologramme. Regardez. Ouverture de la porte. L'ascenseur. Ça, c'est très bien joué. Bravo. Pareil. En fonction de comment on prend, le vaisseau, il part de loin, il approche. Voilà. L'effet est là. Donc là, c'est juste un effet de profondeur de champ. Très joli. Donc je jette les plastiques à la poubelle et je commence la construction du vaisseau. Alors on commence par la grosse soucoupe. Et là, direct les stickers à coller. Donc l'écran principal à coller dans le bon sens, évidemment. Voilà. Donc, il y a plus de 80 autocollants à mettre dans la base. Après, autocollant 6, 6, 6, 6. Donc, 6, 6, 6, c'est là. Ça va dans les creux qui sont là. Le 6. Alors, ça, c'est des petits autocollants hyper détail, hein. Il faut accrocher le 9 là. Rien que pour trouver les autocollants, tu te fais yèche, hein. 27, ok. 27, il va là. Voilà, bon, je vais avoir fini une console complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 stickers à mettre pour une console. Donc maintenant, je m'attaque à la deuxième. Il y a un sticker aussi à mettre là. Je n'ai pas vu. C'est un sticker holographique. Lui se met sur celle qui est là. Et il se met là, ici, là, tac. Ok, et il y a une pièce aussi à mettre sur le dessus. Voilà, ça, c'est l'appareil que Spock se sert souvent pour regarder ce qui se passe. On ne sait pas où faire, je ne sais pas quoi. Mais c'est comme ça. Hop, le deuxième. Alors, le premier, c'est les deux mêmes plaques, hein, 51, 52, 53. Là, si vous regardez la série, vous verrez bien, ces écrans-là, ils sont bien en place. Ok, ça s'assemble là.
on le retourne. Le 12. Et le dernier autocollant de cette plaquette là. Là j'ai déjà, on a collé, quand on a fait ça, on a collé quand même beaucoup d'autocollants. Donc maintenant on va s'occuper de la partie centrale avec l'outil spécial pour pas se faire mal aux doigts. Donc là faut en mettre. Toc. Allez, encore 4 ici. On pose l'espèce de radar parabole, arme, tout ce que tu veux. Allez, le canon. Voilà, ça là-dessus. Ça peut être suspendu en l'air, donc faut pas que ça tombe. Après, vous n'êtes pas obligé de les mettre si c'est pour la poser sur le meuble. Elles sont pas très pratiques à mettre, hein. Elles sont pas, c'est pas génial. Et maintenant, il faut assembler le pied pour le poser sur le pied. Alors, c'est parti. Donc, il nous faut le logo Star Trek. Il nous faut cette partie en plexi assez grosse. Donc, en dessous, il parle de mettre des pieds en caoutchouc. Ok. Voilà. Toc. Donc, ça, c'est juste posé comme ça. Bon, ok. Pas de petit clic. Ah si, petit clic, faut bien appuyer. Hop. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit pied comme ça qu'on va installer ici, donc là, on ne peut pas se tromper de sens. Tac. Une petite claque pour dire oui. Ça, ça va aller comme ça ou comme ça. Peut-être. Non. Donc là, on ne peut pas se tromper. Hein. Hein, pour ceux qui n'ont pas remarqué, logo Star Trek, logo Star Trek. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Maintenant, on va assembler le vaisseau sur le socle. C'est parti. Donc ça, c'est pas clippé, c'est juste posé. Hein. On peut, si on veut, le enlever. Donc là, ça commence à prendre de la place, les gars. Hein. On tourne la page. Et voilà, donc ça, c'est fait. Donc, la console de bord. Toc, c'est bon. Le fauteuil du Capitaine Kirk. Donc lui, il y a aussi des autocollants. Donc, tout d'abord. Donc là, on a le petit fil à faire rentrer dans un trou. Et le récupérer là-dedans. Hop. Donc c'est une petite RJ, c'est pas une RJ 45, c'est une RJ 11. Et là, on va clipper, j'ai bien compris, le truc central au centre. Voilà. Toc. Et dans Star Trek quand même,
On a un vaisseau spatial, il n'y a pas un fauteuil avec une ceinture sécurité. Donc à chaque fois qu'ils sont attaqués, ils se pètent la gueule. On sent que les mecs, ils sont bons, mais ils auraient pu faire mieux, quoi, hein. Hop, on met les sarbardes dedans. Voilà. Et après, on s'attaque à la pièce qui permettra de fixer ici les réacteurs. En tout, on en a 8 à mettre. Maintenant, on met le petit chapeau là. Toc. On insère ça ici. Et toc. Et voilà. Donc là, on est prêt. Visuellement, on est bien. On va l'insérer dans Enterprise. Donc là, il montre que les fils, ils sont là. Donc, il y a deux fils. Donc ça n'a pas d'importance, c'est les mêmes. Ils se branchent. Un là. Les petites RJ11. Donc, ah, j'ai oublié de mettre les inserts rouges derrière. Donc, 4 inserts rouges. Donc là, on peut voir l'USB qui nous permettra de, à mon avis, l'alimenter sans les piles, de façon un peu fixe. Hein. On va insérer ça sur un meuble. Voilà. Donc maintenant, lui, il va ici avec la petite prise RJ11 à brancher. Les RJ sont branchés. Alors maintenant, on va passer au réacteur. Les turbines à distorsion, hein, n'est-ce pas? Alors, on va prendre d'abord le premier. Ça, c'est celui-là qui est là. Ça, c'est celui-là qui est là. Et ceux qui sont un petit peu durs à mettre. Et ça va redécoller. Et on y va. Voilà, ça c'est fait. Après, ils disent l'autocollant numéro 3, n'est-ce pas? Le 3, il est où? 3, c'est ça. Donc, il y a des 3 de chaque côté. Ok. Ça n'a pas de sens non plus. C'est plus dur à mettre. Hein. Voilà, on frotte bien le paquet de bulles. Ok, donc maintenant que j'ai assemblé les réacteurs, ils te disent de ressortir le fil qui est là, ici. Donc là, on a ce côté-là, c'est pas le bon. C'est marqué NCC. On le rentre là. Et bien rentrer dedans, on clique. Alors, c'est cliqué. Toc. Après, clac. Toc. On va faire le deuxième de l'autre côté. Donc, je récupère du mou. Mange le deuxième, j'ai pas regardé, mais ça coule de source. Hein. Hop. Donc, tu as vu le truc un peu, comment c'est gros? Il parle encore d'autocollant. Donc, autocollant 7-8, 7-8. Alors, si tu veux, ça, c'est des autocollants, c'est vraiment du détail. Hein. Autocollant 7 et 8. Hop. Toc. Ça, c'est vraiment du petit détail. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est ce qui fait aussi le charme de l'Enterprise Playmobil, c'est que
Il y a plein de détails et c'est ce qui fait la différence. C'est les détails. Par le dessous, faut mettre le globe. Est-ce qu'il y a un sens? Il y a un sens. Petit clic là. Voilà. Bien cliqué. Alors voilà l'ascenseur qu'on va mettre évidemment dans la partie là. Ça va cacher les fils. Voilà. Hop. Comme ça, on cache les fils. Tac. Ok. Après, moi, je vois encore les trucs sur le côté là. Il y en a un autre pour cacher les trucs là. Tac, tac, tac. Ça, il monte le truc et tout. Donc là, les fils, ils sont pas cachés. On les voit comme ça. Ah bon. Bon. Maintenant, petit autocollant installé sur les fauteuils. Donc là, les fauteuils, il faut les installer tout simplement. On clique, tac. Sur le fauteuil et évidemment cela va de soi. Hurrah aux communications. Ah, Hurrah, on peut pas la mettre, c'est un peu moyen ça. Quand on la soit, elle perd sa robe. Bon, Hurrah là, nos deux pilotes Sourou et Tchekov. Il y a de quoi faire là. Voilà. Notre docteur, voilà, qui est là sur la passerelle, hein, parce qu'on l'a appelé. Notre ami Spock, on va l'asseoir aussi. Aussi là. Tac. Lui. Non, on va le mettre debout. Spock, on va le mettre là. Debout. Avec son. Son truc où il regarde toujours dedans là. Hop. Et notre copain Scott à la machinerie en bas. Voilà, donc il me reste des phaseurs, etc. Donc ce qui est bien, cette astuce, c'est une petite trappe ici, vous pouvez mettre tous les accessoires dedans en trop. Alors le montage installation de l'Enterprise se termine, donc je ferai une autre vidéo pour la mise en place des Playmobil et l'utilisation de la tablette et de ce qu'on peut faire en interactivité avec ce vaisseau. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager pour une prochaine vidéo sur le Star Trek US Enterprise Playmobil. Ciao, 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 ciao! Mark Trooper.